point de départ où il y a eu beaucoup de changements, que ce soit dans le staff et puis les joueurs aussi, où il y a eu 10 recrues sur un groupe de 25, et sur les 10 recrues, beaucoup de joueurs, je le répète, n'étaient pas des joueurs avec un gros temps de jeu des années précédentes. Donc il a fallu aussi réajuster tout le monde sur la partie athlétique. À partir de là, il faut aussi un peu de temps pour que la mayonnaise prenne. Je trouve que dans ce qu'on dégage, c'est très intéressant. Il y a des matchs où on aurait pu faire beaucoup mieux, dont Annecy, entre autres. Mais si on fait la balance entre le positif et le négatif, la balance elle penche beaucoup plus dans le positif. Donc 15 matchs, et c'est intéressant d'avoir 27 points, 27 points, parce que ça veut dire que ça tourne plutôt vite. Maintenant, il va falloir bien négocier cette préparation de 3-4 semaines pour vraiment bien enclencher sur la bonne vingtaine de matchs qui restent derrière. Et quand on voit, on va reprendre par Rodez, Bordeaux, Le Havre, Caen, voilà, il va y avoir des. On va vite être remis au goût du jour de la division. Donc, bien, bien profiter aussi je le répète, que les joueurs savourent cette victoire parce qu'elle était importante pour bien, bien récupérer et bien renclencher la suite.